mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve sur les ondes de la RJV pour poursuivre notre séminaire. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau thème dont le titre est le suivant. Par hasard ou suivant un plan? Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous inclinons devant toi pour reconnaître ta toute grandeur. Et alors que nous allons partager ta parole, nous te demandons dans ton amour infini de nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre, assimiler et intégrer ce que tu as à nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Supposons que vous habitez près d'une plage. Un matin, vous vous levez tôt et décidez de vous promener le long de la plage. Le paysage est magnifique. Les rayons du soleil levant dansent sur l'eau. Les vagues s'écrasent sur le rivage. En marchant tranquillement le long de la plage, vous remarquez des traces de pas dans le sable. Puis, une autre série de traces et une troisième. Vous regardez aussi loin que votre regard peut porter, mais vous ne voyez personne. Que vous disent ces traces de pas? Simplement ceci. Bien que vous ne voyez personne, quelqu'un est passé par là. Quelqu'un a parcouru cette plage avant vous. Je vous pose donc une autre question. Si vous êtes en plein air et vous regardez autour de vous, que voyez-vous? De l'herbe, des arbres, des collines, des montagnes, des fleurs, des fleuves ou des lacs et peut-être des animaux. Et là où vous êtes, sur quoi vous tenez-vous? Bien sûr, sur le sol, la surface de la terre. Levez les regards maintenant et que voyez-vous? Le jour, vous voyez le soleil, le ciel ou les nuages. La nuit, vous voyez des milliers d'étoiles et peut-être la lune. Comment tous ces astres sont-ils arrivés là où ils sont? Et vous, comment êtes-vous arrivé là où vous êtes? Qui vous a créé? Certains disent que la vie a commencé par quelques cellules simples vivant dans la mer. Elles ont évolué pour devenir de minuscules organismes composés de nombreuses cellules. Puis, ces petits organismes ont évolué pendant des millions d'années pour devenir des créatures capables de sortir de l'eau et d'aborder la terre ferme où il leur est poussé des jambes. Des millions de personnes, mesdames et messieurs, à travers tous les siècles, ont cru à quelque chose de tout à fait différent pour expliquer comment l'univers et tous les êtres vivants sont venus à l'existence. Elles croient que c'est un créateur, Dieu, qui a créé tout cela. Mais quel Dieu? Aujourd'hui, les gens adorent de nombreux dieux. Bouddha, Allah, Shinto, les dieux hindous et d'autres encore. Les disciples de ces dieux prétendent tous que c'est leur Dieu qui est le Dieu suprême. Mais savez-vous, mesdames et messieurs, que de tous les dieux adorés en ce monde, un seul d'entre eux prétend être le créateur de toutes choses. C'est le Dieu de la Bible. Nous allons donc découvrir à partir de la Bible ce que nous pouvons sur ce Dieu de la création. Quand vous voyez une maison, pensez-vous qu'elle s'est faite toute seule? Bien sûr que non. Vous savez que c'est quelqu'un qui l'a construite. Si vous voyez une route, pensez-vous que cette route s'est faite toute seule ou c'est quelqu'un qui l'a construite? Les routes et les maisons sont pourtant des choses beaucoup plus simples que des mondes et des êtres humains.
Lorsque vous regardez des êtres humains, des animaux, des étoiles, n'est-il pas raisonnable de conclure que c'est quelqu'un qui les a créés? Quelqu'un a conçu ces choses, puis les a créées. Nous commencerons à apprendre à connaître ce Dieu qui prétend être le concepteur et le créateur de toutes choses. Commençons par ce que son livre, la Bible, nous dit sur son œuvre de la création de la terre et de l'univers. Regardons d'abord ce qui s'est passé le premier jour. Dans Genèse chapitre 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au verset 3, il est dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le premier jour, mesdames et messieurs, Dieu créa notre terre. Il créa la terre et mit en marche le cycle des jours et des nuits. Au verset 6, Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel au-dessus de nos têtes et sépara l'eau de la terre de l'eau contenue dans les nuages. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Genèse 1er, verset 9. Puis au verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur toute la terre, et cela fut ainsi. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Nous sommes au verset 13. Le troisième jour, mesdames et messieurs, Dieu fit apparaître la terre sèche, créa les mers et recouvrit la terre d'un tapis végétal. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Genèse 1er, versets 14 et 15. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu fit apparaître le soleil et la lune dans le ciel. Il créa aussi les étoiles. Que créa Dieu le cinquième jour? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Nous sommes au verset 20 du chapitre 1er. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Le cinquième jour, mesdames et messieurs, nous dit la Bible, Dieu créa les oiseaux, les poissons et les autres créatures marines. Le sixième jour de la création fut le plus important. Dieu dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Genèse 1er, verset 24. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Le sixième jour, Dieu créa les animaux, puis le couronnement de la création, c'est-à-dire l'homme. Nous comprenons par là, mesdames et messieurs, que Adam et Ève ne sont ni le fruit de l'évolution, ni celui du hasard. La Bible nous dit que Dieu les créa à son image. C'est lui, le grand ingénieur, le grand concepteur qui nous a amenés à l'existence. Le septième jour, l'œuvre de la création étant terminée, Dieu se reposa
et mis à part le septième jour comme jour de repos, jour de sabbat. Effectivement, Genèse chapitre 2 nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Nous avons donc, mesdames et messieurs, ici un bref coup d'œil sur la manière dont Dieu a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve, y compris l'être humain. Demain, Dieu voulant, nous allons regarder de plus près pour voir quel merveilleux concepteur et créateur Dieu est réellement. En attendant demain, je vous souhaite une bonne journée, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Amen. C'était votre conférence biblique, Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours.